je voudrais saluer cette initiative. Saluer tous ceux qui sont derrière parce que c'est d'abord une action de conviction et une action de militantisme. Ce secteur est un secteur prometteur pour notre pays. Il est au cœur des problématiques que le monde vit aujourd'hui. Les changements climatiques, l'alimentation durable, l'agriculture durable, les engagements que notre pays a pris lors de la COP22 et l'initiative que nous avons initiée qui est appelée la Triple A, qui est en relation avec toute cette dynamique-là et sont quelque chose qui représente un engagement fort sur un plan politique, sur le plan mondial, mais également un engagement auprès des acteurs. Nous avons les acteurs. Et nous avons des acteurs qui ont su développer leur savoir-faire, leur professionnalisme et qui ont besoin effectivement d'être soutenus, accompagnés. C'est un secteur prometteur pour notre pays, c'est un secteur prometteur pour notre jeunesse et je suis convaincu que ce partenariat entre ce secteur et le ministère de l'Agriculture et ses différents organismes vont permettre à ce secteur de connaître l'élan nécessaire. Reste le travail de sensibilisation et il est fondamental. Le consommateur marocain ne fait pas la différence. Il n'a pas suffisamment conscience des impacts de la mauvaise alimentation et de la mauvaise agriculture pour sa santé, mais également pour son pays. Ce travail-là est un travail de longue haleine. Ça relève naturellement du travail que doit faire le groupement, l'association, etc. Mais c'est le travail aussi des pouvoirs publics.